Et bonjour les gens, c'est Mister Noz et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui afin de vous présenter un nouveau petit jeu gratuit interactif du nom de Golfy Golf. Alors c'est édité, développé par Rayman 3000, enfin du moins développé par Rayman 3000. La démo que j'ai date d'une dizaine de jours à peu près, si les notes que j'ai sous les yeux sont justes et avérées. Et je vais vous montrer, c'est un petit jeu de golf, j'y ai joué 5 minutes, j'ai trouvé sympa. Sur navigateur, sans téléchargement, on va y jouer ensemble. Donc loading, c'est parti. Vous allez peut-être entendre Fripouille qui miaule derrière moi, hein, parce que c'est Croquette. Donc moyen de jouer en solo, en coop local, en VS local et VS contre CPU. Nous, on va y jouer tout seul, hein. On va mettre en facile parce que je suis pas très doué, comme j'ai pas beaucoup joué, ça va m'arranger. C'est histoire de vous présenter le jeu. C'est tout simple, ça se joue à la souris. On a différents modes, il y a certains à débloquer. Pour l'instant, j'en ai deux sous les yeux. J'ai testé celui-ci, j'ai pas testé l'autre. Je vous laisserai le soin de voir ça par vous-même, à voir. Je suis allé, vous voyez, jusqu'au niveau 1, niveau 2, niveau 3. J'y ai pas joué beaucoup, mais je me suis dit, ça existe, il faut que je vous en parle. Et puis, de toute façon, cette chaîne, elle est dédiée aux jeux gratuits. Toute catégorie, et puis en fonction de votre PC, de votre ordi, en fonction de votre configuration, il en faut pour tous les goûts. Alors, voilà. Eh non, mais je voulais pas tirer. Attends, elle est où ma flèche? Elle est où ma flèche? Elle est où ma flèche? Alors, je voulais pas tirer. Il suffit d'orienter, en fait, la flèche. Voilà, et de jauger. Et ensuite, on devrait être bon. Donc là, si je tourne deux fois, voilà, on est pas mal. Hop, il suffit d'orienter. Mais je voulais pas tirer. Ah, c'est un petit peu trop sensible, voilà. Et on le ramène dans le trou. Hop, et il doit y avoir au moins 18 trous, je pense. On va poursuivre. On a les scores qui s'affichent en bas à gauche en 5 tirs, c'est minable. Et on peut trouver des œufs qui sont cachés. On va les ramasser au fur et à mesure. Je l'avais déjà fait sur les précédentes parties. Je pense que ça conserve mes scores en fonction de mon récipé. Vous allez savoir comment ça fonctionne tout ça. Alors. Ici, ce serait bien de pouvoir faire traverser la balle. On pourrait la faire traverser soit ici, soit de ce côté-là. On va essayer par là. Je pense qu'il faut charger au moins 2-3. Au moins 2-3. Oui, c'est un petit peu trop fort. On va tirer là. On va tirer à 3 aussi. Hein. Allez, 3-3-3. Et Fripouille qui passe devant l'écran, c'est pratique. J'aurais dû tirer à 2. Hop, c'est minable, je suis mauvais, hein. Hop, et là, à 2, ça devrait passer. Voilà. Oui, on est bien. On est bien. Tintin, c'est cool. Donc, en 5 shots, c'est pas terrible non plus. Mais on va continuer comme ça. Alors, hein, je pourrais jouer là pendant une heure facile. On essaiera de voir si et un autre mode accessible. Voilà, vous voyez, là, j'ai un œuf. Le but du jeu, c'est de le ramasser. Je vais peut-être passer à côté. Je vous laisserai le faire. Je pense qu'on peut charger à 3, ça devrait passer de l'autre côté. Oh oui, j'aurais peut-être même pu charger à 4. Et puis bon, bah là, en 2, on devrait être bon. Voilà. C'est simple, hein. Mais moi, quand je joue à R0, par exemple, et que je dois attendre 5 minutes pour valider mes missions, si vous connaissez pas R0, je vous invite à aller regarder la vidéo. Eh bien, j'aime bien faire un petit jeu interactif en attendant. Et comme ça, ça fait... passer le temps, il y a les petits lapins, c'est mignon, c'est kawaii, c'est sympathique. Alors le but du jeu, à mon avis, ce serait d'amener ça ici. Je peux aller ramasser les œufs. Est-ce que les lapins, ils me gênent? Tiens, on va essayer de voir. Tiens, si je tire à 4, il m'envoie ça où? Attends, hop, on va faire one shot. Et on va essayer de ramasser ça. Je vais faire encore 6 coups. Allez, voilà. Oh, quoique, on va peut-être pas ramasser l'œuf. On va ramasser en 2, vous voyez que ça passe en 2? En 2, en 3? En 3? En 2 peut-être? En 2, j'ai peur que ça tombe dedans. Ah, voilà, non, si c'est bon, c'est pas mal. Combien il y a de niveaux? Oh oui, j'ai loupé un 9, mais c'est pas trop grave. On va continuer, hein, c'est très cubique, hein, comme jeu, mais je me suis dit, ouais, pourquoi pas? Ça existe, alors je vais vous en parler. Et on va faire quoi? On va faire quoi? On va ramasser la palette. Je vais ramasser un œuf. Voilà, je tire en un coup. Là, je vais faire
en 3, ça devrait passer en 3. Oh, j'aurais pu le faire en 4, là je fais en 1. Hop, oui, un œuf de ramasser. Alors qu'est-ce que ça fait sinon des achievements? Pas grand chose je pense. 1, 2, 3, même en 4, je pense qu'on serait en face du trou. Oh non, c'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop fort en 2 et en 1. Voilà. C'est sympa. Je vais revenir vers l'accueil. Et puis je vais voir s'il y a un autre mode de jeu que je ne connais pas. Comme ça, on va découvrir ça. On va découvrir ça ensemble. Alors, loading. Qu'est-ce que c'est? Toujours en mode solo. On va mettre en facile. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Et vas-y, charge s'il te plaît. Le Swamp. Alors, sans doute des modes. Eh ben, il veut pas. Eh ben, comme ça, c'est bien. Il veut pas. On est toujours sur la même partie. Ok, d'accord. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Est-ce que c'est la peine? Regardez. Ah, est-ce qu'on peut... Voilà. Ah, ok. On a 20 trous. Ok, bah comme ça, on le saura. Non, regardez, on a 12 sur 60. Ok, ça peut aller loin comme ça. Mais bon, pour l'instant, il y en a que certains d'accessibles. Sans doute, le jeu continuera d'être évolué au fur et à mesure que le temps s'écoule. Donc je vous mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à très 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 bientôt dans votre futur. Et ciao, bye.